tu n'es pas normal. Ce n'est pas normal. Ma chérie, tu n'es pas normal. Ce n'est pas normal. Tout sort d'une ronde. Tu n'es pas normal. Yo, la famille, c'est comment? Voilà. Je reviens de la formation. Et j'ai souhaité faire cette vidéo là. Voilà, cette vidéo sur la tisse de Bordeaux Likoufa. Ayant pensé qu'il n'y a pas vu. Vous avez énervé le gars, non? Vous l'avez énervé. Vous allez assumer les conséquences. Oui, vous allez assumer pleinement les conséquences. Vous le connaissez, vous faites comme vous ne le connaissez pas. Vous le connaissez, vous faites comme si vous ne le connaissez pas. En tout cas, si tu es fan de Bordeaux, que tu aimes la tête de Ritor, laisse les gens parler. Abonne-toi, partage ma vidéo. Et invite tes amis à m'abonner. Et il vient m'abonner, à s'abonner. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Pendant que les gens parlent, nous on progresse seulement. De Bordeaux Likoufa. Vous l'avez énervé et puis il est très 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 en colère. Voilà, restez branchés. Je vous donne les détails tout à l'heure. Il en fait pour nous. On le fera pour vous. Car dans la vie, mon présent c'est l'avenir. Qu'en sera-t-il de tous à la base? C'est progrès, à la base. Je procède, à des firmes. Voilà, bon retour les gars, bon retour. Désolé pour la nuisance sonore, hein. Je suis dehors, voilà, je suis pas rentré encore à la maison. Mais il faut que je parle là, impérativement de l'affaire de Bordeaux Likoufa. Beaucoup se demandent pourquoi je dis que de Bordeaux Likoufa est énervé. Mais effectivement, il est énervé. Les gens ont passé leur temps à le rabouer, à le rabaisser, à le traiter de paresseux, à l'insulter à tout bout de champ, même à insulter ses deux fins parents. Au mépris même de sa petite personne qui apporte beaucoup à la culture ivoirienne. Vous pensez que ça allait passer et qu'il n'allait pas parler. Mais vous allez sentir ça. Voilà. D'abord, avant tout propos, sachez que moi ce que je veux pour mon coupé décalé, pour ma musique ivoirienne, c'est des clashs musicaux. Voilà. Tant qu'il n'y a pas d'injures grossières dedans. Tant qu'il n'y a pas... En tout cas, tout ce qui est négatif, qui pourrait entacher de plus en plus l'image de ce coupé décalé là, moi, je suis là pour promouvoir ça. Cependant, vous savez très bien que l'artiste de Bordeaux Likoufa a toujours été traité de paresseux. Voilà, qui n'a pas d'inspiration. Mais je pense qu'il vient de démontrer, il vient de démontrer encore que beaucoup se trompent. Il a dit dans Spécialité Ivoirienne qu'il chante à son rythme. Ça peut ne pas nous plaire, et moi-même personnellement ça ne me plaît pas. Mais c'est sa manière à lui de travailler. Et moi, j'ai décidé désormais de respecter ça. Voilà, parce que je vous ai dit, ne comptez plus sur moi pour venir envenimer les situations. Non, c'est plus mon rôle ça. T'as décalé un peu, il a trouvé les mots juste pour dire que t'as décalé pour ne pas que tu te fâches. Parce que si Bordeaux Likoufa s'est fâché contre moi, si Didier Arafat s'est fâché contre moi, et beaucoup même qui n'ont pas osé me le dire, c'est que je dois me revoir aussi. C'est pourquoi j'ai décidé de doser, c'est pas parce que j'ai peur de quelqu'un. Voilà. Le week-end dernier, de Bordeaux Likoufa a fait un post. Et le post veut tout dire. Quatre morceaux. Dans un espace d'un mois. Entre les morceaux. C'est de Bordeaux Likoufa seul qui va faire ça. C'est une première, on dira que bon, comme il n'a pas l'habitude de chanter, il fait ça. 4 sons. 10 septembre, 10 octobre, 10 novembre, 10 décembre. Je l'ai déjà dit dans ma précédente vidéo. De Bordeaux Likoufa avait dit dans plusieurs de ses directs qu'il adviendra un moment où la concurrence ne pourra plus suivre. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui peut suivre. Je pense bien. Didier Arafat, Safari Loubien, parce qu'ils ont un peu pas la même manière de travailler, ils ont un peu pas la même fréquence de sortie des sons. 10 septembre, Queue du Sale. 10 octobre, Pololo. 10 novembre, on jazz décalé. 10 décembre, Atalapou de Rennes. Si je fais cette vidéo, c'est tout d'abord pour annoncer à tous les fans de Bordeaux qu'il y a beaucoup de sons qui arrivent. C'est pas moi qui ai dit, c'est pas moi qui ai inventé, c'est l'artiste même qui a posté ça. Si vous vous rappelez bien, quand Ritor fait ses vidéos, vous parlez pour parler parce que c'est pas, vous n'aimez pas la visage, la mine de Ritor. Je vous disais ici que de Bordeaux a beaucoup de sons. C'est la fréquence de sortie là qui ne me plaît pas. Sinon, il a beaucoup, 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 beaucoup de sons. Et c'est dans tout ce qu'il a cité là. Vous avez vu
on va dire Dos à dos dedans. Est-ce que vous ne savez pas, Dos à dos est sur deux versions. Une version Baby Philippe et une version Akou l'arrangeur. Il n'a même pas mis ça dans son programme. Il fait une année là. Donc je peux dire à la concurrence de vraiment bien s'asseoir. De vraiment bien s'arrêter parce que ça va chauffer. Prenons le cas des spécialités ivoiriennes. Spécialité ivoirienne sortie le 10 août. Non, le 10 juillet. 10 juillet. En moins d'un mois, l'audio dépasse les 800 000 vues. Il faut être débordé du Koufa pour faire ça. Vous comprenez un peu, non? Il faut être débordé du Koufa pour faire ça. Parce que moi, c'est ce que je dis souvent. Et puis peut-être certains fans ne comprennent pas. L'artiste débordé du Koufa n'a pas encore réalisé l'ampleur de son charisme et de son talent. Sinon, il peut aller plus loin que ça. Voilà ces petites choses qui me font mal. Et puis souvent, je fais des sorties très dures sur l'artiste. Mais j'ai personnellement décidé de doser ça. Et ça ne sert à rien. J'ai fait ça, ça n'a rien changé. Donc c'est mieux. Je vais ignorer. Spécialité ivoirienne, DJ. Les gens ont parlé ici. Zouglou, Volo Super, Savorien, c'est nul. Savorien, c'est nul. Oh, dans toutes les boîtes de Côte d'Ivoire, précisément d'Abidjan, quand on met spécialité ivoirienne de Bordeaux, le pouvoir, personne ne veut s'asseoir. Personne ne veut s'asseoir. Comment vous expliquer ça? Un son si nul. Un son qui vaut rien autant. Mais quand on met le morceau, même quand tu es dans ta voiture, que tu écoutes à la radio, tu laisses ton volant et puis tu es en train de bouger. Parce que le son est entraînant. C'est ça la magie des Bordeaux. C'est ça la puissance des Bordeaux. Voilà ce que je dis aussi souvent à l'artiste et à son audience. Quand je parle de son audience, je parle de ses fans. Il suffit que l'artiste ne rentre plus dans les polémiques de pique, de clash, et se concentre sur sa carrière. Comme on dit, il n'y a pas l'homme. Il n'y a pas l'homme. Mélodieusement, je dirais qu'il y a beaucoup de mélodies, mais sa mélodie à lui, elle est particulière. Je n'ai même pas envie de dire qu'il est fort que quelqu'un. Mais sa mélodie là, personne ne peut faire ça. Mais lui peut faire la mélodie des autres. Chacun se rappelle du clash musical. Je crois au Pink ou au Mix. Non, c'est au Pink même si je ne me trompe pas. À Makouri dans le fief de DJ Mix. On a vu ce qui s'est passé. Malgré qu'il était à l'extérieur, il a prouvé que c'était lui des Bordeaux. Je m'excuse encore pour la nuisance sonore, je suis dehors. Je répète encore les rendez-vous de cette fin d'année avec des Bordeaux Likoufa. 4 sorties musicales. 10 septembre, que du sale. Plus coupé décalé. Plus coupé décalé. Pour encore fermer la bouche des gens qui disent que des Bordeaux Likoufa en train de fuir le coupé décalé, mais des Bordeaux Likoufa ne mettent pas le coupé décalé. 10 octobre. Mon jazz décalé. Ça veut tout dire, hein. Ça ne sera pas un son avec plein de bruit. Mais ce sera un son où le jazz et le coupé décalé vont faire une symbiose pour donner un résultat. Donc imaginez un peu ce que ça va donner. Les gens vont parler de Bordeaux Likoufa, hein. Je ne parle pas d'un autre artiste. D'après vous, l'artiste le plus paresseux, l'artiste le plus nonchalant, l'artiste qui n'a aucun talent. 4 sorties musicales qui sont espacées d'un seul mois seulement. Respectez les talents, hein. Respectez les poids lourds de se couper décalé. Et de Bordeaux Likoufa en fait partie. C'est ça qui est la vérité. 10 novembre. J'ai un peu inversé. Le 10 octobre, c'est pour Lolo. Le 10 novembre, c'est mon jazz décalé. Et pour clore l'année 2019, de la plus belle des manières, il vous sortira un morceau spécial à Talakou. Vous allez voir combien de fois l'artiste est pluridimensionnel, combien de fois l'artiste est dangereusement talentueux. Vous l'avez énervé, non? En tout cas, vous allez assumer. C'est des bonnes qui ne savent pas que si lui, il commence à chanter beaucoup, beaucoup, beaucoup là. Il y a beaucoup d'artistes qui ne vont plus chanter. Il y a beaucoup d'artistes qui vont passer inaperçus. Parce qu'avec un seul son, il arrive à tenir tête à plusieurs sons. C'est des bonnes qui fait ça. Donc apprêtez-vous. Comme on dit, ne criez pas trop vite la victoire. Parce que lui dit, c'est maintenant il est inspiré. Après sa trentaine, là, c'est là lui il est inspiré. En tout cas, moi j'ai confiance. Je répète encore 4 sorties musicales. Que du sale. Pololo. Mon jazz décalé. Et à Talakou de rêve. Donc soyez prêts. Parce que l'artiste va frapper encore.
spécialité ivoirienne pouvait rester jusqu'en décembre, ça allait toujours contrôler. Vous-même vous connaissez, c'est des Bordeaux. Ça a toujours été comme ça. Ok. C'était la vidéo du jour. Et dites à la concurrence de se tenir prêt. Ciao, ciao les amis.